parole à palais.com. Auditeur, auditrice, émission intérêt public, moi content pour moi avec nous dans rendez-vous ça nous gagne chaque semaine. Et bien entendu, nous te ouais dimanche et nous rendez-vous à Pat Kembe parce que premièrement, nous te déprogrammé totalement, nous te supposé gagner élection et 9 octobre, mais monsieur Mathieu décidé autrement et comme tout te grand pile disposition que Pat gagne en prend, donc nous pas arrivé faire émission et dimanche passé. 3-4 octobre qui se passe là, Mathieu frappé Haïti, Grandance, Sud, Nip, yon parti dans Sud-Est, yon parti dans l'Ouest, bas Nord-Ouest, c'est toute zone ça yo qui chargé ak dégâts, qui chargé ak moun mouri, moun blessé, et puis, et perdu, nous pourquoi capable calculer jusqu'à présent. Et gouvernement qui décrété 3 journées deuil, et qui about et jeudi à un moment après enregistrer émission qui c'est mardi 11 octobre bay yon bilan que un peu monde estimé qui très conservateur jusqu'à présent protection civile parlait de 372 monde qui mouri 4 monde qui disparaît 246 les autres blessés et en face ou gagne agence de presse britannique Reuters qui gagne représentant en Haïti et qui parlait de 1000 monde qui mouri pour pipiti à partir de contact li dit li fait individuellement à chaque magistrat dans commune. De plusieurs magistrats effectivement qui publié et chiffre tant que par exemple magistrat Cavaillon Ernst Haïs qui ba un rapport circonstancié et lance un appel tout et pour tout ça que la besoin pour capable faire face à catastrophe ça dans commune qui dévasté net. Plusieurs milliers moun nan abri provisoire. 6 ans après tremblement de terre ça nous connaît qui te metté Haïti à terre qui te frappé particulièrement l'ouest, on ti crasse dans sud-est et tout petit était touché Nip mais qui était affecté tout pays hein. Pays a pourquoi jamais recampé en bas passage tremblement de terre ça, mais 6 ans après men nous vinn prend une coquine chaîne cyclone. Kounia y a essayé comparer la Hazel avec Flora pour montrer yo dit bon, il y a des grands monde qui gagne plus que 80 ans qui te vivre ou celle de événement dans pays a dans question cyclone par exemple, yo dit pourquoi jamais phénomène ça, phénomène qui passait là. Jean que le balayé, pulvérisé pratiquement, et Grandance, Axud, Jean que image qui rivait joindre montrer. Question, c'est qu'on est pour qui ça? Même cyclone ça, il passait Jamaïque, il passait Cuba, il passait Bahamas, il passait aux États-Unis, pour qui ça fait? C'est Haïti, qui gagne plus de dégâts, qui gagne plus de monde qui mourit, qui gagne plus de catastrophes. Ça, sont questions que chaque Haïtien doit poser tête et tenter joindre une réponse pour lui. Pour qui raison? Pour qui c'est nous? C'est toujours question ça. Gagne une organisation internationale, il y a le German Watch qui publiait un index sur affaire de pays qui puis exposé. Selon organisation ça que d'ailleurs Banque mondiale reprend information que le Bayon, il dit Haïti c'est le troisième pays qui puis vulnérable au monde dans ça qui concernait changement climatique dans ça qui concernait ça que nous autres vivons là que nous connaissons les cyclones. Donc ces pays qui plus gagne pour faire face à cette situation ça. Mais nous trouvons nos régions. C'est pas seulement Haïti qui trouve le Caraïbes blanc. Nous connaissons zone ça, ces zones cyclones. Nous connaissons faille tout dans zone non ces zones tremblement de terre. Pour qui ça fait c'est pas nous les mêmes qui a toujours pire catastrophique que tout l'autre. C'est vrai. L'enga de ça passe gain 6 ans. Les gars de ça passé là, dans le mois d'octobre là, dans le département ça, particulièrement, Jean Grandance détruit, Jean Sud détruit, dans la situation Nip trouvée, nous connaissons qui qualité bac nous allons faire au point de vue économique. Parce que toute structure production dans zone ça, tout détruit. On a parlé de production agricole, on a parlé de élevage, tout capital paysan, tout perdu un seul coup. Et conséquence là, nous connaissons, si pas rien qui fait rapidement, pour kembe moun yo nan zone pour permettre que moun sa yo capable joine moyen pour survivre à partir de activité traditionnelle yo kon mené et peut-être pour ta faire en mieux eh bien première réaction tout moun sa yo yo pral chercher la vie mieux l'autre côté et c'est naturel c'est humain c'est normal qui direction a prend direction grande ville yo yo capable envahir au caï mais au caï est-ce que capable absorber yo gen kap vinn Port-au-Prince après ça il pral tenter dans pays étranger pour entrer n'importe qui gens Jambé frontière prend la mer, Kante, à Jambé frontière l'autre pays pour tomber en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et puis nous paria dans toute zone encore. Si nous parions bot people qui en année 70 yo, qui
spectaculaire qui a fait que parler de nous dans la presse américaine. Eh bien, jeudi, nous avons un paquet de monde qui a jambé frontière par tous les moyens et qui se plan people qui arrivait à entrer en Amérique du Sud, qui a battu pour entrer à pied en Amérique du Nord. C'est nous-mêmes seuls qui dans situation ça. Même là, je ne des Cubains, je ne des Dominicains qui est avec eux, mais cette proportion Haïti est les plus graves, les plus alarmants. À un point tel, le président Obama dit tout pays dans la région mandé pour faire qui choye. Et qui choye, il fait à nous rien connaître qui s'allie pour commencer à déporter Haïtiens illégal et qui en a fait avec la justice dans le pays États-Unis. Une autre fois encore, Haïti tenant rôle international là toujours aimé lié. Haïti tenant registre toujours abtenir pays catastrophe. Catastrophe naturelle ou bien catastrophe politique, c'est toujours comme ça nous fait gros titre. C'est pas hasard, nous avons toute presse internationale là, établi sur Haïti depuis une semaine et c'est chaque jour nous baille premier titre. Nous connaissons. Nous ne pouvons jamais garder le premier titre, même entre filets la plupart du temps, dans le journal ça, si que affaire Haïti a marché, si que pas de dégâts. Mais quoi, tout ça est un sujet de réflexion pour Haïtiens. Au lieu pour, il y a mettre passé gagner, il y a plagué l'huile sous du feu, il a fait campagne ou bien orgueil mal placé, et c'est des bagages comme ça que tu as dû nourrir réflexion. Pour qui ça, c'est nous-mêmes? Pour qui ça fait n'importe cyclone qui passe de l'autre côté, il pas faire autant de victimes, autant de dégâts? Qui ça nous-mêmes en tant que haïtiens dans structuration l'état qui fait pour éviter ça, qui côté l'état arrivé pour bail service, qui côté secteur privé yo même yo investi, est-ce que c'est pour un pays qui a abandonné finalement un petit groupe pour seulement yo les élites paysan yo rete koyo là un petit côté dans zone Port-au-Prince et puis après ça surtout ouvert sur le monde à voyager toute la journée et puis reste paysan lui-même pas grand qui n'en sérieux qu'a fait la donne. Est-ce que ce n'est pas dans un miroir ça, un miroir qui crase en mille morceaux, je dis à pour nous tous pour nous garder figure. Nous allons laisser parler de ce qui passe, mais surtout et comprendre ce qui fait ça arriver nous. Mais surtout, ce qui est intéressant dans l'émission, ça, je dis, c'est comment nous allons sortir dans ça et qui proposition réaliste et en même temps, qui c'est une proposition qui a une envergure nationale. C'est-à-dire qui ne parle pas Haïti à travers deux grains de monde, mais qui est à travers 10 à 11 millions de personnes qui vivent là-dedans. Je gagne 4 invités. Ancien ministre de la République en deux fois, Franz Verella, qui, je dis, est consultant, il travaille avec des bureaux d'études, qui ont même travaillé avec BID ou bien Banque mondiale, sous question justement, et de gestion risque avec aménagement territoire. Nous connaissons, ça n'a pas existé en Haïti. Qui c'est gestion risque, qui c'est aménagement territoire. Je gagne tout agronome Joël Ducasse. Joël Ducasse, qui fait partie de monde qui a appuyé candidature, candidat, plateforme Petite Dessaline, non. Sénateur Moïse Jean-Charles, oui. Et puis, ancien député, ancien directeur CNDDR, Alix Fizeme. Moi, j'ai un tour, je n'ai pas prêté notre émission, mais c'est juste pour un témoignage, ingénieur Harold Isaac, responsable technologie, dans Radio Kiskeya, qui était allé, après cyclone, non, dans le département sud, il était allé tout, dans Grandance, côté que il fait reportage pour nous, mais il était accompagné un groupe de journalistes internationaux. Il parle de nous témoignage. Monsieur, bienvenue dans l'émission Intérêt Public. Merci. Bonjour. Bonjour Lili. Bonjour monsieur. Comment dites-vous nous tous les deux? Oui, presque à une demi-heure d'intervalle. C'est Joël qui était devant premier et puis après ça, vous l'aurez même. Pendant que je réfléchis, qui dit, il y a une fois que vous faites une émission sur ce qui passe là. Pendant que je réfléchis, je me dis, bon, je ne vais pas entrer dans plein, dans reproche, dans tout le bail, ça y est, dans demander aide. Et ce qui est en aborder, une émission qui pourrait être intéressante, d'autant plus que je connais tout l'autre média et ça est après le faire. Et ça qui explique tout que dimanche, je ne vais pas faire une émission, pendant que je réfléchis sur ce qui est que je vais aborder et question cyclone. Il y a deux bagailles. Yon, c'est pour nous faire face à la réalité, premièrement. Et deuxièmement, moi, position par moi, attitude par moi, c'est pour nous garder comment nous allons construire l'avenir, ou bien comment nous allons reformater l'avenir dans la zone ça. Parce que nous pas qu'à baser sur la même relation, nous n'avons pas qu'à baser sur la même bagaille. Nous avons un bon niveau de protection pour nous faire, nous avons un niveau de réaménagement de rapport que vous faites dans le département. Ça et oui, bon, on a venu moi des appellations, mais là, mais tout pour nous saluer. Excusez-moi. Je vais te dire, non, jusqu'à présent. Et Fanfan. Bonsoir,
Liliane, et je salue tout auditeur, auditrice Radio Kiskeya. Oui, Joël. Bonsoir, Joël. Bonsoir, Boulon. Bonsoir. Bonsoir, Liliane. Bonsoir à tous auditeurs. Bonsoir, participants. Donc, son plaisir, comme toujours, avec nous et pour débattre un peu, en fin de compte, de bagages qui intéressent Haïti. Oui. On dit tout le monde bonsoir, bonsoir ou bien bonjour, et comme surtout le dans la matinée que y a pas tendel et représente tout bon. On connaît très bien parce que comme moi suis auditeur régulier et fidèle de l'émission et ça fait un plaisir pour me participer pour la première fois là-dedans. Pourquoi non, c'est nous deux là qui t'es allé sous terrain ou même avec Fanfan qui apprécie ton nom. Oui. Ou t'es dans le sud. Oui. Et qui côté exactement? De Caï jusqu'à les Anglais. Mm-hmm. Et qui ont la situation? Bon, situation catastrophique, pas gain Jean pour décrire lui. Et c'est pour moi qui est descriptif. Ça veut dire que c'est un petit Jean plus compliqué que tremblement de terre. Parce que désolation et puis image. Puis frappant, ça veut dire non seulement caillou écrasé, moun yo dans la rue, tout moun a séché rad, même dans tout pas gon grain pied bois qui gon feuille la donne, tout pied mango, pied zaboka, pied lame véritable, pied cocoyé, tout allé ou passer dalmatien sous côté que gon forêt pied cocoyé, et puis le 4 de l'après-midi te fait noir en balle. Kounye pa goun gren e pie kokoye e gen de kote konkou l'abeyi lò kite po apiman e, ou fe 2 minute ap filme ou ap fe foto ou pa jam jwenn un kay ki kampe e po salu depi se hotel ki te gen bo plaj nan tout ale tout krasé e dlo avec sab entre tout le monde qui connaît pas salut dans même là prend hôtel relé là auberge du Réenvers sab l'entrée juste dans auberge du Réenvers bli porter bateau en dedans là et pont yo rampe d'accès différents ponts yo aller donc l'on besoin passer c'est en bas pont pour passer pour monter et toute l'école, l'église, tout le bail s'est écrasé. L'église, côté 275 marches pour monter dans l'église dans l'allée, ça veut dire que c'est 275 marches. Oui, qui ont été. Sont lieux de pèlerinage. C'est des lieux de pèlerinage. Il y a plus de lieux de pèlerinage et dans la zone. Bon, c'est en l'air. Oui. Une montée. Oui. Marché autour, marché au démantibilé, Randel, qui sont marché qui ont très grand marché. Je parle de Randel l'Empile, c'est une zone qui est plus frappée. Oui, mais côté qui est plus frappé, qui frappe plus, c'est l'abbaye avec les Anglais. Les Anglais frappent en pile, parce que non seulement cyclone a allé avec caille, rivière a allé avec caille, et puis l'un met en tout aller avec Kai. Donc ça vous dit pour même ou quoi abeillan c'est là tu as un peu plus gros concentration de monde qui victime. Non, il y a bien plus monde qui victime les Anglais longtemps. Oui mais dans abeillan comme si un peu de monde qui mourit. Ou bien disparaît. Pas dit exactement combien monde qui mourit. Seul bah on a constaté c'est que pareil de Kai. Il dit tout caillou net tombé. Et gen de l'autre côté le monde qui gen même situation bon du Chiti ou bien la Combe côté ça yo mais Beaumont Beaumont pas gen temps aller Gandos non pas gen temps rive Gandos Harold dal Gandos demain la Jérémy donc oui en fait on t'est passé au Kai on fait pas salut jusqu'à Rochabato bon t'as les pieds plus loin et nous t'as les fait Gandos en tout et me croit que en fait pour me dire une première fois, d'abord, pas assez de mots capables de décrire l'ampleur des assas, étendue des assas, et à toute fin pratique, s'arriver à assembler à une explosion nucléaire, mais sur une échelle, parce que même si vous comparez par exemple à Hiroshima ou bien Nagasaki,
bazar te circonscrit à une ville. Ouais. Mais là, parler d'une puissance équivalente, et, mais sous une échelle beaucoup plus énorme. Et non seulement nous avons perte en vie humaine qui est très lourde, nous avons un grand nombre de blessés, tout, mais nous avons une perte écologique là, que nous avons trouvé qui en fait c'est catastrophe sourde de ce qui a passé là. Quand on dit que son pied bois est campé, et bien, il va être fait encore, il va être en rien encore, il est virtuellement mort, il n'y a pas de souhait que c'est juste point de tête à crédit, il va être en rien. Tout reste là couché, tout reste là soufflé. Et un peu, ou bien des gens qui sont dans des positions déjà vulnérables, qui viennent exposer à des conditions extrêmes. Donc, voilà, à des conditions climatiques extrêmes. Donc, c'est si on va excessivement désolant, et pas quoi dans quel pays réellement, ou surtout pas Haïti, actuellement, les capacités pour gérer la crise. Ça, là. Donc, c'est la première réaction, on dit que Haïti n'est pas capable de gérer. Là, on voit l'ampleur des dégâts. Dimension des assas, son barrière qui va l'étendre sur des années, sinon des dizaines d'années, pour que zone ça reprenne tête. Et moi-même, personnellement, en termes de désastre écologique, je pense à Macaya, par exemple, qui était poumon et pays, qui lui-même a subi des dommages incroyables. Nous perdu énormément. Non, mais dans ce temps, c'est une ampigo réserve écologique non territée. Et puis, ensuite, toutes les productions, c'est gouigné tout, dans la question de une série de denrées, de manger. Mais il y a des gens qui comparaient, ils disent que le tremblement de terre en 2019, il était touillé environ 250 000, donc tout une polémique sous chiffre ça en pile c'est caillé casé qui était tué. Mais je dis à département ça eux même ils dévasté. Les comparer le dit que tu gagne plus pour guider mon tremblement de terre, mais impact des gars qui fait dans département yo dans occasion passage et mature puis grave. Soit dit de ça Joël. Bon. Nous qu'à garder désolation hein, de façon parcellaire. Et vous voyez que égale misère, ok, qui que qu'à comprendre que vision instantanée insupportable, ok. Mais en fin de compte, pour quelle raison communauté sao, ok, pas capable d'établir une résilience qui fait que pour des impacts similaires, on côté 11 monde mourir et en Haïti 1000 monde mourir, ok. Donc, ce que veut dire, c'est que je ne peux pas garder de façon parcellaire et localisée, je pas, bon, par tradition. OK? Pour qui ça? Parce que je dis qu'il y a des conditions qui structurelles, encore pire que le cyclone qui se passe là, OK, qui est établi pour condamner Mounio, en fin de compte, à la déchéance et à la vulgarité et à la vulnérabilité. Parce que quelqu'un soit force cyclone, non, pensez si que le pays a été aménagé de l'autre façon, tu as une résistance. C'est ça. Pas d'abord tout et monde c'est ça. Mourir, ce qui veut dire que ça que c'est à dire que ça que et où t'as dit que la fermeture de tous les ports, n'est-ce pas, centralisation toute bagarre pour Port-au-Prince et puis ensuite comme c'est dit un budget affecté t'as dit au service de base à la population, ok, au logement et au service de base à la population, n'est-ce pas, l'eau, électricité et ensuite aux services sociaux, éducation, santé, ok. Privation, ça a été déjà là et qui était déjà entraîné que toute province l'a vidée, n'est-ce pas, pour 40% de la population vient atterrir dans la région métropolitaine, n'est-ce pas, qui n'a pas fourni, il a dit, et des emplois structurés à 5% de cette population. Ce qui veut dire que le désastre était là. Ça, c'est jaune. Deuxièmement, le désastre était déjà annoncé, n'est-ce pas? Il est annoncé en ce sens que. Avec changement climatique, nous sommes censés entrer dans une période d'Adi qui est déjà relée, la période de l'Anthropocène, ce qui veut dire ça, que l'impact de l'homme sur l'environnement. Et l'impact ça, ok, censé venir en fin de compte, en situation côté où vient exposé, n'est-ce pas, aux extrêmes climatiques. Ça, cyclone, ça y est. Cyclone, son moyen que la nature joigne, ok, pour diminuer, on t'a dit, température de la mer. Okay? Parce qu'une augmentation de la température de 1 degré a détruit tous les coraux et, en fin de compte, toute la
on a dit filière alimentaire, n'est-ce pas, en provenance de la mer. Ce que veut dire ça, que donc, on n'a pas les dangers que les courroies par là, eh bien, on a dit petits poissons par là, gros poissons par là, etc. Et on peut aller vers des questions de poussée d'algues et une mer morte. Pas vrai? Donc, ce que veut dire comme ça, que l'homme qui est pour le préparer, on a dit Haïti tout. OK? Gain pour le préparer à des changements climatiques qui qualifient comme ça. Ce qui veut dire que les extrêmes, n'est-ce pas? Les extrêmes en pile la pluie, en pile sécheresse, les extrêmes vent, OK? Vent, la pluie, sécheresse, OK? Inondation, montée des mers, n'est-ce pas? Et vulnérabilité de population qui dans zone côtière. 80% population haïtienne sur les zones côtières, ce qui veut dire que l'a exposé à la houle, au cyclone, à ceci et à cela. Okay? Donc, problème fait commencer. Problème fait commencer. Mm-hmm. Ce qui veut dire que ce qui veut dire que les remèdes que a essayé d'apporter maintenant en une situation parcellaire et localisée, n'est-ce pas, c'est pas des remèdes structurels. Et parce que c'est caféinol pour oui, cancer. Parce que si pour gain pour vie des questions ça, il n'est pas normal que budget palais national ces 30 dernières années, n'est-ce pas, c'est 8% du budget total, alors que le budget total, n'est-ce pas, pour toutes les collectivités territoriales qui là en charge pour les services de base et le logement, ok, les 2%. C'est que 200 moun na palais national mangeaient quoi comme d'adu qui pour tap servir 11 millions d'habitants. Non. Ok? C'est pas tu veux dire comme ça que c'est comme ça pour nous garder question. Et bien, n'a vivre une sorte de reconformation ouais, à la fois du territoire, de la gouvernance, de l'aménagement. Et nous sommes remis en cause totale. Total. Oui, pour l'autre. Parce que vous prenez Fabal Libé à Hall, et pour parler de ça, que lui-même dit que ça, lui, qui était positif. Mais pourquoi il y a un écoute pour me dire que je suis totalement d'accord avec Joël. Vous remis en cause totale pour faire de la gouvernance, de l'aménagement, de rapport que nous gagnons entre nous. Et je crois que c'est ça qui démontre nous, ça qui nous là. Tout le temps, mode de, et peut-être que Lili a couru derrière, mais ça ne fait rien. Bah, il y aurait la démocratie représentative là, c'est lui-même qui divise, disperse l'énergie nous, les vire nous une contre l'autre, les crée des faux élites, et les kembe nous, nos crises permanentes de bataille, yon ak l'autre, et nous dispersion de toute qualité d'énergie. Donc, je crois que ça, son gros héros, on fait. Et je crois que c'est très, très, primitif pour que nous restions là-dedans, nous ne comprenions pas vers la modernité, tandis que dans la gestion réelle de la gouvernance, où gagne, c'est le crayon colonial qui continue, parce que c'est des élites qui vont être de toute qualité privilège, en bon, relatif à moyens qui gagnent, plus magouille qu'a fait, et puis reste pays, lui-même n'est pas occupé. L'homme t'a fait dans le Parlement, m'a fait fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales là, l'homme t'a volé dans l'exécutif là, t'a gagné de l'autre parti au saboté. Parti étudiant, parti technique là, et parti investissement, donc qui était en masse salariale, qui est lagué, que par contre ça va faire ça. Si vous faites un audit sous les gants, pile dans le Cap Marie, ouais. Et qu'est-ce Cap Marie? Tout le monde qui était responsable pour eux. Bon, on va même camarader personne. Rivons-le, il y a pile moun y a prendre en pot. Ça viendra. Moi là, il m'a ajouté que bon, en fait moi discuté souvent avec Boulon de en fait des possibilités hein, pour ta gain en démocratie beaucoup plus directe et qui t'a probablement une bonne solution pour Haïti. Mais il y a des bagages qui ont fonctionné. Autrement dit, vous l'avez doctriné. Nous, on a discuté, et puis on a décanté pour nous voir qui s'en va. Mais en réalité, moi-même, ça m'a constaté sous terrain, parce que comme vous l'avez dit, ça m'a constaté sous terrain, c'est des signes quand même très encourageants. Parce que par exemple, dans la commune de Beaumont, moi, ouais, on mérite qui a fonctionné, moi, ouais, des jeunes volontaires qui a participé dans le programme protection civile, qui t'a fait prévention, qui était là quasiment à la veille, comme quelques heures avant, c'est qu'on a marché avec mégaphone, qui a allé dans toute section communale à pied, qui a bat 2-3 heures de temps marche pour aller voir chaque individu pour essayer de sensibiliser, pour aller mettre à l'abri, et a expliqué les difficultés que vous jouez.
Mais ça a manqué, c'est des outils de base. C'est-à-dire, par exemple, là, plus gros problème, là, même d'apprendre, qui ça a besoin? Ils disent, ils besoin de tronçonneuse. Parce que, bon, 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 tant escapé, on prend côté que on passe, on prend et puis qu'on bout de pied tomber et puis l'interrompre passage là. Donc et monde ça qui vivre et c'est héritage en fait société panouane, le fait que les marronnages etc., tout le monde qui monte dans monde qui vivre, c'est des communautés dispersées et les m'a dit mon ça, elles ont cas là voisin et ben là dans bois venant mais voisin arrête sous pour mourir. Donc ça veut dire soit là pour 10 15 minutes de marche pour arriver. Et c'est une communauté, ça veut que l'État... Le fait que pas à tout, bon. L'État a abandonné, il n'y a pas de service pour eux, il y a la guerre, tout compte. Il y a livré à eux-mêmes, mais l'État a rejoint. Mais nous avons un problème, nous avons par exemple à Grandos, tout le monde est souffert de ça, nous faisons plus que trois jours, nous n'avons pas de contact à Grandos. Parce que c'est un problème de communication, tout système de communication est tombé, et l'État n'a même pas de communication propre de façon autonome. Et moi connais même radio amateur gen l'autre pays qu'on mobilisé pas même faire ça ici et l'état lui même dit pas qu'un système sans fil rien du tout tout va ça tomber ça fait un pile monde veut parler de l'armée sérieuse pendant jour ça yo je songe que l'armée a te gen propre système ni et mais par exemple moi même de dit ça déjà dans une émission dans radio dans un journal moi dit pour qui ça fait protection civile pas ta gagner le moyen de communication pour ça dans chaque département pas d'un téléphone et satellite par exemple ben, est-ce qu'on a un problème de communication te posé pour société et pour protection civile là? Oui parce que moi-même démarche pas maintenant t'as pas accompagné les journalistes internationaux que t'as vraiment couvert en fait et toute une série d'aspects sous genre cyclone dans le passé hein? Et journalistes à eux-mêmes étaient équipés de téléphones satellites. Journalistes à eux-mêmes des radios de communication capables de couvrir au moins jusqu'à 15 miles, au moins vingtaine de kilomètres, qui capables de couvrir avec radio de communication. Si jeunes ça qui étaient avec nous, ils ont même été disposés de moyens beaucoup plus efficaces dans le travail. Et je dis, on a parlé de rétablir l'armée, même quoi, avant même de rétablir l'armée, puis on a renforcé la protection civile là, parce que dans le cas de changement climatique qu'a fait là, par exemple, 2016, c'est l'année la plus chaude enregistrée jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis à faire relever de données. Depuis à faire relever aussi l'année la plus chaude. Donc, nous avons un risque pour nous exposer. Non seulement nous sommes traumatisés actuellement, nous ne parlons pas avec les paysans. Nous sommes traumatisés au point que depuis un mauvais temps, nous avons toute peur à le cacher. Et dans la tête, nous avons dit Radio Jol dit que nous avons un cyclone qui vient encore, peut-être mercredi, peut-être jeudi. Nous avons une mentalité ça. Quelque part, il y a exagéré, mais quelque part, il y a un fond de vérité parce que il y a possibilité pour chacun d'autre cyclone qui t'a frappé nous, ou bien n'importe quelle autre catastrophe naturelle qui renforçait avec changement et climatique que nous avons subi. Donc, c'est certain que nous obligés de penser protection civile là. Pour même penser protection civile là, tu as supposé développer et équiper. Exactement. Et c'est une possibilité tout parce que de jeunes, quand on pensait que jeunes, tu es intégrer protection civile. Gain qui motivé en dépit du fait que pas aucun moyen pour travailler à bout de zone. Merci pour témoignage ça. Donc ça c'est une piste qui t'a qu'à explorer. Mais fofon ou même en tant que monde qui te gain responsabilité dans l'état. Deux dire deux fois, mais deux fois combien de temps vous êtes passé comme ministre chaque fois? Un an à peu près. Chaque fois c'était un an? Un an et demi. Là, mon ministre à vos publics, transport, communication, pendant un an, qui j'en a fait? Elle dit que vous avez un parti d'aménagement territoire sous responsabilité autour, non? Non, le ministère de la République, pas ministère qui est en charge d'aménagement du territoire. Oui, c'est intérieur. Non, c'est le ministère du plan. Du qui plan. Est en charge d'aménagement du territoire. En plan. Et après, ils ont vu créer un secrétariat de une commission interministérielle à l'aménagement du territoire, même le SAMBAC ministre. Et c'est le secrétariat ça qui a une responsabilité, plus responsabilité dans l'aménagement du territoire, responsabilité que le partager avec le ministère du plan. Qui est le secrétariat ça? SIAP. Son secrétariat de? Oui, son secrétariat. Mais il n'y a pas un secrétaire d'État dans tête. Il y a un responsable, oui. Mais il va participer dans le conseil des ministres. C'est une commission interministérielle à l'aménagement du territoire. Ah, ok, très bien. Mais le travail public, là, quand même, il est responsable au niveau de l'ouvrage, de l'infrastructure, de la communication, toute question pont.
et tout ça yo c'est sous compté. Ouais. Mm-hmm. Toute question de transport. Ya. Yeah. Mm-hmm. Bah qui sont à vle... Non mandé ou un ministre tant que ministre travaux publics là. Est-ce que di jouer rôle li? Je dis ou bien non, le bon non, point bail qui gagne de tout temps et on travaille dans le travail public trois fois. On travaille dans le travail public l'homme fait que saute l'école en 79 80 on travaille après encore en 91 comme ministre et on travaille encore en 2006 2007 comme ministre et chaque fois 10 ans après travaux publics non plus mal que avant et ça fait ça parce que avec le temps payant chaque jour dégradé puis plus institution dégradé encore plus et au vin plus faible de proche en proche donc et dans quatre travaux publics est-ce que CN était une affaiblie c'est à cause de CNE que moi pas ministre dernière fois travaux publics parce que principal problème qui était gain et que m'était expliqué c'est que son idée absurde que nous gain un centre national d'équipement ça nous était proposé que nous était proposé dans chambre député dans parlement c'est que nous gain des centres régionaux d'équipement et donc que gain trois grands centres régionaux d'équipement et puis que ligue un mode de gestion côté li pas dépendre de autorité politique yo et donc un partenariat public privé qui fait qui assure gestion de manière à ce que n'importe qui député n'importe qui sénateur pas qu'à décider pour le point équipement pour le faire ça là avec donc et CNE par exemple gain des structures concours route concours de l'eau yo pas adapté du tout à une gestion centralisée téléphone internet oui mais de l'eau ou bien route et gestion déchets il faut que gérer localement donc supposons faire entretien routier c'est localement vous ça fait vous besoin entretenir des systèmes d'adduction d'eau potable c'est localement vous ça fait c'est pas de manière centralisée donc et si service proche service de le plus proche possible des citoyens. Donc ça c'est le premier problème qui t'est posé et c'est ça qui expliquait tout que pas que moi pas ministre. Qui donc, a fait ça le président pas d'accord avant? Non, il est pas d'accord. L'autre dit après il va pas d'accord oui. Avant. Oui. Mm-hmm. Oui. Il dit allez. Bon, il a pas dit aller, il vient là carrément plusieurs fois parce que me dit il m'a démissionné, il dit m'a pas démissionné et puis il m'a parti mal en mission et puis l'homme tourné m'apprendre que le cabinet a été tombé. C'est un contexte qui était tout à fait spécifique. Mais après période ça yo j'aimerais dire là gain deux lacunes météo dans l'état. Premier c'est gestion risque inondation principalement risque cyclonique et deuxième là c'est aménagement du territoire. Mais il y a un tremblement de terre tout. Risque sismique là son l'autre risque ça veut dire semaine qui était précédée des tremblements de terre oui on t'a travaillé sur risque sismique et me fait au moins 15 jours avant tremblement de terre on t'a travaillé sur risque sismique et là tout pendant semaine qui précédait et Mathurin on t'a travaillé sur question ça Le docteur a fait analyse. Oui, c'est pas coïncidence ouais. Ou bien faut nous être pour. Hein? C'est pas coïncidence que le bar avant bar. Quoi faire modélisation, c'est qui ça? Bon, Philo pas là, Philo t'a dit c'est l'esprit qui dit ça. Bon, c'est ça, t'as demandé. Mais non, ça qui passe. Ou bien travaille sur ça, c'est qui ça? Non, ça qui passe, c'est que si vous intéressez à gestion risque, c'est que. De 1er mai pour le 1er décembre, faut chaque jour ou garder temps, ou garder météo, ou garder temps, ou analyser rapport noir, ou analyser rapport wet underground pour qu'on comment on va évoluer. Donc ou capable capable faire un certain nombre de prédictions et puis après ou acquérir une certaine expérience là bah ça.
Donc ça veut dire et c'est même bagarre dans tout le fait tout pour l'État. Principal problème que nous gain c'est que un tremblement de terre ou pas qu'à prédire. Par contre un cyclone sont bagarre qui facilement prévisible. Et donc mise en place de secours c'est pour bagarre qui doit faire 2 jours ou 3 jours après cyclone n'a vienne passer. Théorie qui gain par rapport à cyclone nan, c'est que gouvernement li doit dans l'œil du cyclone. Ça veut dire après Cuba, Raúl Castro, cyclone va passer Guantanamo avec entre Guantanamo et Santiago 2 jours à l'avance ni Raúl Castro ni tout gouvernement cubain veut Guantanamo avec population et a préparé avant cyclone. C'est-à-dire que réponse n'est pas le cyclone n'en fin passé pour répondre à lui. C'était même pas Jamaïque tout. Même pas en Jamaïque et c'est même pas en République Dominicaine. Et Jamaïque, vous n'êtes réagi même bien avec nous. Le dialogue que plusieurs cyclones étaient annoncés qui n'ont pas passé. Il va quoi? Premier ministre en descend dans le palais avec eux. Pour oui. Dire, c'est sérieux pour ça. C'est sérieux. Et pas mourir, non? Oui, oui, mais c'est normal. Même théorie sous Baïsa, soit garder Noé. Noé te fait même pas non dans la Bible. Ça veut dire que je mets un vieux rad sous lui pour expliquer que il y a un problème et puis la marche dans la rue, tout le monde a demandé le sale gain, c'est un petit monde qui mourit. Il dit non, c'est que nous tous qui là, nous pral mourir. Parce que bagay ça pral venir, il pral là avec nous tous. Donc, et puis qu'on y a tout le monde venu, il construit à Noé. Donc, gouvernement c'est ça il doit faire. Un gouvernement c'est ça il doit faire. Ça veut dire très bien mais laisse un gouvernement provisoire qui a un mandat essentiellement pour organiser l'élection. Et l'on est en situation totalement anormale parce que vous êtes supposé qu'un président élu qui n'a pas l'air depuis 7 février. Oui mais vraiment c'est la préoccupation du tout question affaire de cyclone. Non, est-ce que le problème de stabilité politique là? Le responsable l'État a un principe, principe de précaution. Ça veut dire, ou obligé de protéger la population. Sous obligation que l'il y a pour vous. Ou obligé de protéger la population. Donc, ça veut dire que ça pour protéger la population. Depuis à l'avance, vous devez prendre toute une série de dispositions. Ça veut dire que, pour prendre un exemple simple, ce n'est pas 3 jours après le cyclone pour faire chèque pour. Moun qui prend la mission yo capable aller ça veut dire faut que un fond qui était là pour ça ou un fond qui déjà là qui disponible ça c'est premier bail deuxième bail ou connaît tout qu'a gagne des problèmes pour gasoline pour essence pas gagne courant donc faut gagne gasoline faut gagne essence faut gagne l'huile pour machine donc bail ça doit aller avant protection civile là te doit en tant que structure dans l'état doit aller avant ensuite ou connaît pas gagne bouette pas gagne pelle. Par exemple, toute la rue dans le sud, dans grand sens, toute la rue, c'est pied bois. Faut comme si là, on capable de couper bois, il faut gagner si. Faut gagner oui, exactement. Donc, il faut gagner tout le bas. Ensuite, faut prévoir, par exemple, des aires de décharge. Vous ne pouvez pas prendre tout fatra avec tout débris pour laguer dans la mer. Donc, c'est toute activité ça qui doit être faite en anticipation de cyclone. Et puis, équipe ça, vous devez alerter la population, vous devez informer la population. Ensuite, vous devez prévoir des abris. Je travaille sur inondation dans plein de cas avec le sud. Donc, époque ça me fait, je fais avec les gens qui sont dans la protection civile, une liste d'abris. Je fais une liste d'abris, je fais une liste d'abris, et puis je mets pour chaque numéro de téléphone mon nom. Qui côté abri en est, géolocalisé, tout le bas. Abri, qui est l'école? L'école, l'église, etc. C'est ça qui est comme abri. Non, mais pas pour parler de ça. Non, mais. C'est un problème, abri pour vivre ça. Oui, mais c'est ça qui. Mon pas un cadre pour mon cacher, pas un petit bac là. Abri provisoire ça, depuis le temps passé, tout le cas, ça y est allé, l'église y est allé. Même si vous n'êtes pas allé, mais il y a un problème. Parce que il y a un problème de gens, nous, peuple là, tout. L'on dit que nous avons un abri provisoire, puis c'est l'école qui charge avec banc. Qui côté a dormi? Qui compte à manger? Ou abri provisoire, supposons son salle qui est large, il y a un gymnase, moi je fais ça de l'autre côté, et puis il y a un conseil de petit cabane, il y a un cabane qui est là, il y a un cabane qui est là, mais il y a un petit cabane qui est là, il y a une toilette, il y a de l'eau, il y a des bagages qui sont prépositionnés. Mais là, bon, moi je suis dans tout abri provisoire dans le sud là. C'est dans l'école que je suis entré, on parle de l'école qui est pleine là-dedans. Mais plus grave, non seulement dans l'école, il y a un qui dans des centres de santé.
il y a des centres de santé qui résistent. Et ça va poser problème, les collègues pas qu'à ouvrir. Et occuper les centres de santé. Oui, non, ça n'est pas normal. Il pas, et ça a tout le traduit qui j'en, gouvernement, qui j'en, l'État, qui j'en, et le pays, ouais, respect pas ici. Mais il faut un respect pour nous. On ne pas dire que nous avons un carbone pour le dormir là, Kaili. Qu'on a là, qui peut le dormir là? Qui peut le manger? Qui peut le faire toute activité? L'école n'a pas adapté pour ça? Oui, Joël ou bien? Oui, Joël. Oui. Et pour ne pas parler simple, nous avons dit que nous avons gardé, nous avons dit population. Rapport avec l'État, c'est que la population font sol de cotiser et puis l'État tape gérer sol là, sauve à sol là. Ok? Donc, ce qui veut dire que, et donc ça a amené moi à retourner son série de concepts qui agitaient là. Premièrement, en rapport au risque et la protection civile. Protection civile. Protection du citoyen. Est-ce que citoyen existait? Parce que citoyen, c'est un concept politique que lié et il marche avec des lois. Et il marche avec une capacité de tutelle, son pouvoir qui rapprochait de lui, un pouvoir décentralisé. En fin de compte, côté interagit avec lui, n'est-ce pas, et pour ses services. Nous pas qu'à cacher derrière un bagage qui est lié au gouvernement provisoire, n'est-ce pas? L'État est permanent. Pas vrai? Et moi même par exemple ça, l'Italie fait presque 40 ans, il pas jamais au gouvernement qui fait 15 jours. OK? Chaque semaine, chaque 3 jours, chaque 15 jours, il y a jeté premier ministre. Et l'Italie dans le G7. N'est-ce pas? Pour quelle raison? Parce que c'est un pays qui a un régime politique totalement décentralisé. Ma pour bail quelques statistiques sur Haïti par rapport à la décentralisation. N'est-ce pas? Il y a 20 ans, 45% du budget en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, décentralisé, ce qui veut dire que l'Inamé, Tivilio avec Cantillo. OK? C'était 29% en Amérique latine, c'était 36% en Europe à l'époque, OK? En Haïti, c'était 2%. Et même 2%, OK, géré sous tutelle du ministère de l'Intérieur qui, en général, fait salver à l'argent. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, ou un État, n'est-ce pas, d'a dit contre la population. OK? Mais son facteur qui vient aggraver, n'est-ce pas, avec le départ. Bon, déjà, il commençait sous Jean-Claude Duvalier, n'est-ce pas? Ou un État, comme si n'a dit, qui choisit de mettre tête sous tutelle. Pas vrai? Limite. Qu'a dit que François Duvalier, n'est-ce pas, est peut-être le dernier homme d'État. Haïtien. Dictateur sanguinaire. Même s'ils sont dictateurs sanguinaires, c'était un chef d'État. OK? Bon, ça a un débat. C'était un chef d'État. Un gros débat. OK? Ce qui veut dire que l'IT est dans situation de rapport de pouvoir. OK? Ce qui veut dire que l'IPAT est dans situation d'obéissance. OK? Je dis, type de l'État que nous gagnons là, ces 30 dernières années, n'est-ce pas? Nous avons État sous tutelle délégué. N'est-ce pas, de anti-oligarchie qui a comme mission affaiblir le pays, ok, en prémisse d'une situation de dépendance, n'est-ce pas, envers la République dominicaine. Ok? Ce qui veut dire que, pour moi, bon, pour un pile monde qui a regardé la question ça depuis plus d'une vingtaine d'années, n'est-ce pas, Haïti a été promise par les puissances occidentales à la République dominicaine qui dit pour un petit patience, n'a pas fini fort compris. OK? En attendant qu'on prend la direction. OK? Parce que nous gagnons faux élite économique. OK? Qui c'est des revendeurs en majorité. N'est-ce pas? Et des centrales d'achat de la République dominicaine. N'est-ce pas? Et qui en train de faire une accumulation que me qualifier d'indu parce que accumulation pas réinvesti pour créer ni emploi ni espoir en notre société. Ce qui veut dire que ça c'est des questions qui vous vider. OK? Et nous avons l'État tout qui pas bail tête aux missions de service. OK? Ce qui veut dire que ça que les non garder l'État, hein? OK? Alors là, c'est pour m'a dit ça pour me arriver au niveau du citoyen.
Ce qui veut dire que faut ne pas arriver dans fausse conception du citoyen, côté citoyen, lui-même, la prétendre, il bal des moyens pour le gonti tronçonneuse, pour le couper en pied bois, etc. Mettre machette là-dedans. Si c'est machette là-dedans. OK? Ce qui veut dire que le temps pour que la tronçonneuse arrive, ou va bien vider la terre. La première production économique d'Haïti, après la communication, après DGCL et Comsem, le premier secteur économique, le charbon. OK? 400 millions de dollars américains, OK? De vente au détail pour la cuisson des aliments. Qui? Première production agricole du pays. OK? Qui fait à manchette. OK? Et qui fait comme si nous avions sans aucun équipement spécialisé. Mais c'est si. Grave, c'est grave, non, m'a dit ça. Charbon. Non, m'a dit ça grave dans la question. C'est très okay? grave. Nous couper 4,5 millions de tonnes de bois pour nous faire charbon. Pas vrai? En Floride, gagner 27 entreprises qui ont coupé 4,5 millions de tonnes pour produire l'électricité et le résidu, c'est le bois. Ça va jeter, pas besoin. C'est le charbon, le bois. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une tonne de bois égale 1 mégawatt d'électricité. Ce qui veut dire que là, on dit que ça que 27 entreprises qui ont produit, et si ma mémoire est bonne, presque 50 millions de dollars d'électricité, n'est-ce pas? On croit à 9-10 centimes, ok? Au bois, et puis les gains comme les résidus charbon. Si par exemple, je garde tout bois qui gagne, la première ressource après de tout dégât, ça, n'est-ce pas, qui t'a peut-être permettre d'adi les nids, la grandance et le sud rebondit, je vais garder l'image, non, volume de gars, m'a gardé des millions de dollars américains en termes de bois à terre, qui vaut des dizaines de milliers de mégawatts d'électricité dans le pays par un courant. Mais qui a pu faire transformer le forêt qui pas? Mais c'est très facile. Ce qui veut dire ça que n'importe qui beau qui t'en fait, n'est-ce pas, ou plein la bois, ou mettez un bouchon, ou quitte un petit trou, ok, dès que bois, ou mettez le température de combustion incomplète, n'est-ce pas, qui, dès que l'atteint 200 degrés, il dégage un gaz combustible qui a brûlé dans tout moteur à combustion interne que le diesel. Mais vous avez un produit là, une distribution, ça m'a dit toute une infrastructure. Même Dion Magaï, ce qui veut dire que ça, que l'ENAP garde une ressource, n'est-ce pas? Une ressource là, c'est l'imagination qui peut qu'on y en bas où, en fin de compte, les, et a dit les résultats. Ce qui veut dire que ça, que les paysans font charbon, qui ça le fait, il prend 70% d'énergie. Donc, valeur économique là, il vaut LGT, et puis qu'on y en reste sale pour CDA, ok? Il voyait l'on réchaud à 20% d'efficience, ce qui veut dire que il prend 6% d'énergie dans le bois, alors qu'il y a une technologie pour t'apprendre 30%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que renoncer à l'énergie comme premier facteur, dit, de création de valeur ajoutée au niveau économique. Ce qui veut dire que ça, qu'avec l'énergie, on est déjà capable, comme d'adjou, transformer production agricole loin et résoudre des problèmes de 30 à 60% de pertes. Okay? Donc, ce qui veut dire que ça, que sous différentes formes, que le séchage, que l'ici, que l'autre bout. Okay? Donc, ce qui veut dire que si on a gardé des questions, yo, non pas. Parce que l'homme de mon machine dans ces îles et longtemps, en Caraïbe, etc., a dit comme ça que le modèle Monsaïo, c'était qui ça? C'est que au groupe multinational qui vient mettre un hôtel et puis qu'on y a réservé. Ouais, tout le monde est dans un coin pour manger une pomme, ok, des assistés, bah, ils ont, ok, ou bien comme travail que vous avez fait, très c'était comme d'adjou, ok. Fait tres bagay dread, ok, dans cheveux, d'Adi et européen, ok, cap, enfin, embarqué dans le tourisme, non tourisme, que moi-même je vous dis, un type de tourisme que nous avons besoin, ok. Donc, ce qui veut dire comme ça que maintenant, il faut qu'on garde le monde, ensuite, on garde les moyens, ensuite, on garde les besoins,
et puis ensuite qu'on y en ou garder au travers des besoins en fonction de contraintes qui a bougé qui transformation ou a vin besoin gain dans l'habitat mais aussi dans la gouvernance. Ouais. Okay, parce que mais la fois nous garder état des lieux gens situation présentée jeudi hein, et qui ça qui a fait parce que moun yo non situation extrême yo besoin manger yo besoin de l'eau yo besoin rad yo besoin caille priorité et puis après ça pour nous garder qui l'autre bagaille qui doit faire. Boulon. C'est effectivement un problème immédiat, ouais. Mais qui joue ouais gestion. Moi je parler de ça rapidement, ouais. Mais Liliane n'ont pas qu'à dissocier avec gouvernance là. Parce que tout dissocier la gouvernance là, vous vivez devant un terrain stérile ou pas gain dialogue. Parce que c'est des monde qui veut camper en l'air, il y a regarder c'est l'autre bord, bon et content banquier, c'est l'autre bord valeur et tout. Ouais, nous même son respect à son folklore yo. Maintenant, même penser que tout de suite là, il y a un défi que nous gagne et faut que nous fixer le plus possible population productive là et nos cadres de réaménagement parce que gagne une opportunité pour que nous mettez de l'autre valeur de l'autre ouais, le micro après aller comme ça, moi j'ai son parole, moi je vais aller donc. Mais je oui. Dis, non, mais justement, non. Premier bagage là pour. Il pas gain manger. Premier bagage. Pas gain rad, il pas gain caille. Quand même on va l'obliger et on va l'obliger, on va l'obliger subir un assistanat parce que pas grand rien au café sur ça. Ouais. Mais les monde qui pas le faire bien sur mais ça c'est détail pour moi même. Pour bagage pour fête qu'on y est, c'est saison. Faut que nous planter pois dans tout département comme premier bagage. Deuxièmement, il faut rechercher bois patate dans tout le pays pour planter bois patate. Tout ça, c'est manger que pour aller. Carbone en 2 mois. Carbone en 2 mois, 2 mois et demi. Bois. Troisième, il faut rechercher les zèbres éléphants. Madame Michel, Guatemala, Guinée, tout côté tout. Faut rapidement, faut créer des centres de propagation décentralisés. Tout côté. Zèbres éléphants, ça, c'est zèbres pour que nous plantions dans le contour avec un niveau A pour nous planter. Dans tout mon yo pour nous protéger mon yo. Troisième bagaille là, ça c'est des bagailles pour faire immédiatement. Troisième bagaille là. C'est de remplacer mi-sec là. Eh ben, c'est mi-sec végétal. Parce que si vous avez construit mi-sec à roche, ou pas le fouiller, ou pas le bagaille, ou pas le bagaille. Ouais. L'autre bagaille là, faut que nous plantions masque, faut nous plantions masque à la main, ou bien faire ensemencement aérien, la guéopard avion, dans tout mon nom, commencer sous ma caillère, dans tout mon nom. Parce qu'une besoin de gros feuilles, ça y est, couvrir terre, protéger terre. Ouais. Oui, mais qu'on est à la terre, est-ce que tu n'as pas saturé avec de l'eau? Non. Parce que le dernier but de météo, avait dit, si nous prenons 20 cm de la pluie en plus, nous allons prendre l'inondation. Nous allons prendre l'inondation. Oui, mais est-ce que tu es en mesure pour faire manger? Technomonio, bon, il y a des côtés tout, mais c'est ça qui est. C'est que bon regard global qui peut garder, il y a des côtés capables de faire des drainages, je vais me faire expérience ça déjà, à côté que, ou capable rapidement avec des tracteurs, avec des équipements, ou fait du drainage dans zone pleine yo côté que ou créer un drainage dans terre ouais mais ça qui est important m'a retourner sur affaire masquetier parce que c'est seul bagage que me connais si gon l'autre il possible tout c'est lui même qui produit des gros feuilles quand on voit grosse feuille masquetier gros feuilles c'est eux même dans zone en haut yo mais dans combien de temps la pousser non masquetier dans 2 mois il est en bois gros feuilles donc dans 2 mois 3 mois et lui même mais pour qui ça masquetier me connais il fait un grain non et... son gros bagage m'a même parler de produit que le pral faire parce que ça a un rapport économique important oui, le pral mais est-ce que ça a apporté un bail économiquement pour population mais ça le pral porter premièrement mais c'est ça n'a pas parlé le pral porter protection terre c'est lui même qui pral permettre que l'eau pral replanter tout cacao gain pour planter tout café c'est lui qui pral l'ombrage la permanent ça pral permettre que terre protégée pour qu'on vienne planter pendant qu'un centre propagation yo ou pas le replanter pied bois etc. Oui, mais pour et là on n'en connaît là pas un côté pour rester pas rien manger pour manger pas rien de l'eau pour le boire toute bas est perdu non c'est affaire de protection telle à penser non parce que tu as le plus du bras le fait c'est à travers un semencement aérien mais pour toute l'autre bagaille ils vont là c'est pas un parking mignon côté en dans l'église en dans tente et puis à bal manger qu'on gagne un budget pour mettre qu'on ou à payer mignon pour même mieux reconstruire zone yo ou à payer mignon pour aider moun yo planter pois yo aider pour planter ça pour planter gon organisation vers la reconstruction pour faire dans zone ça yo et faut que nous financer li faut que nous pas arrêter restreindre budget ça yo les frais pour ceci les frais pour un tel les courir machine etc
Mais c'est très bien, mais réalité à je dis à qui ça lié. Nous gagnons américains et matin, il y a deux avions français qui viennent pour manger. Et il y a un Vénézuélien qui est venu. Et il y a plusieurs autres pays qui apportent manger, qui apportent de l'eau, qui apportent des médicaments pour la population. D'ailleurs, nous commençons un problème là qui a posé son problème de rivalité entre zones qui victimes. Et un discours qui a émergé dans ce sens. Je dis tout projecteur à l'île, mais sous sud. À Grandos, depuis de moins en moins parler de Niplan d'ailleurs, alors que Niplan très grave. Pour ça, côté l'autre zone, donc là, quand même, par exemple, Tigoua, ville là-bas, Kazé, mais c'est de côté Kazé, Mounzaïo, bon, côté pas une grosse concentration, je ne vais pas parler de yo, Mounzaïo, yo isolé, pas gain aide. Même dans le nord-ouest, là, tout, je dis. Nord-ouest, c'est le même problème. Mais koun, et la Gonda, je vais parler de ça du tout. Donc, Kounia là, aide l'arrivée, son manger qui pour fête, il faut qu'on gagne vaisseau, il faut qu'on gagne charbon, il faut qu'on gagne tout bail pour café. Et pas manger, et pas conserve, manger tout préparé. Quand les manger arrivent, ou il y a certains passés de campagne, nous commençons à attaquer les machines qui peuvent manger, qui peuvent aller dans la grandeur. Ils estiment que eux-mêmes, ils n'ont pas occupé, ils ont passé et poté barrer aller l'autre bord. Parce que ce problème, ça, il y a une distribution équitable de aide. Si vous permettez. Nous, parce que nous faisons barrer nos tiges de manière systématique. Pour un bail qui est important, après un gros événement comme ça, c'est faut inventer une évaluation de dégâts, de dommages, faut bien comprendre. Faut un chiffre de monde qui sinistre. Ou un chiffre de monde qui sinistre, ou capable de localiser, etc. Ou un des cartes qui vous permettent de faire ça. Donc, première tâche comme si vous pour faire pendant deux semaines qui vont venir, c'est ça, une évaluation rapide de dommages, de pertes. Et une analyse de besoin. Comment par exemple que nous devons faire ça? Pour un bail qui est important pour faire, c'est ou qu'on est qui par exemple côté dans le sud, dans la grande danse, dans NIP, qui gagne des espaces homogènes. Ou qu'on est dans plein bacon noir, mais qui ça vous fait? Ou qu'on est Madian Salanyak, mais qui ça vous fait? Ou qu'on est par exemple en plein Dekay, dans plein Tobek, c'est Duri, c'est culture maraîchère que vous avez fait. Ou qu'on est par exemple que Beaumont, du Chiti, Baradé, c'est café. Ou qu'on est Dame Marie, c'est cacao. Qu'on est ensuite associé avec cacao, le par exemple, vous avez des cultures café, etc. Ou bien toute une série de bail qui pousse en balle, ou bien yam, ou bien malanga, et puis ou bien cochon qui a grandi, qui a progressé, etc. Donc, pour un bagage qui est important pour faire, c'est faire inventaire bail ça. Inventaire tout de qui s'accrase. Par exemple, vous besoin acheminer de secours, nous allons parler de aide, etc. Pour secours aller, faut comme si là un réseau de transport qui marchait. Donc faut qu'on ait, faut comme si là ou gagne tout point côté gagne rupture de réseau. Ça veut dire ou qu'on ait par exemple et tel côté route n'est cassé, tel côté, etc. Travail ça, c'est un travail qui est très facile pour faire. Ça veut dire vous besoin de 2-3 jours avec deux équipes, trois mounes. Avec nouvelle technologie hein? Oui, avec nouvelle technologie, avec des cartes. On clap ou cliquer sur carte. Et puis, vous avez des images satellites. Ou comparer images satellites. Google, depuis samedi, mettez images satellites après tremblement de terre online. Ou avez des images passées. Ou capable de voir situation avant, situation après. Et puis, vous avez à partir de là, ou avez qui ça pour faire. N'en pas. Bah, ça, le par exemple des produits, il faut le vendre dans le marché. Toi qui as marché au casé, que ce soit marché Randel, que ce soit marché du 6, Mangra, tout marché au casé. Donc, il faut comme si là, on inventait le tout bah, ça. Et à partir de l'inventaire, ça, on est capable de dire, bon, nous allons le reconstruire, nous allons le réhabiliter. Mais qui ça, nous allons le réhabiliter, mais qui ça, nous allons le reconstruire. Mais, un certain nombre de services essentiels, il faut que vous fonctionnez. Ça veut dire, il faut que vous le marché, il faut rétablir l'électricité. Parce que sous pas gagner l'électricité. Bon, on connaît pas de jamais l'électricité. Bon, gende en dehors. Bon côté dans temps pas jamais. En dehors, non. Gagne différents niveaux dans route yo. Gagne des routes nationales yo ou gagne des routes secondaires et vous gagne des routes tertiaires. Route jusqu'à par exemple, bon exemple, jusqu'à sous la côte là, jusqu'à pour appiment ou de l'asphalté. En pour appiment et Tiburon sont routes en terre qui est en bon état. Ou un passage à l'intérieur, Fonfon, pour entrer.
Ouais. Pour la jeune population là. Non. Ça qui caractérise, ça qui caractérise grandance là, ça qui caractérise sud là avec ça qui caractérise ou bien massif Macaya. Massif Macaya, densité de population très très faible la donne. Donc par exemple, le plus était sur la côte. Moun yo plus était sous côte. Yo. Donc là parler de rebay moun yo des capacités pour yo refaire vie. Côté qui bagui plus facile par exemple sous la côte. Ou prend par exemple des pays comme Anse de Nos ou Damaré, activité fondamentale moun yo c'est la pêche, mais pour faire la pêche un DCP dispositif de concentration de poisson li écrasé, donc il faut que li rapidement refait. Ensuite bateau yo qui tape flané bon plage là la main prend là avec yo, donc faut rebay moun yo bateau yo rapidement pour capable recommencer. Ensuite gain élevage là. Il perd du bête. Donc, il faut que comme si là, nous, on fait bagaille ça yo, rapidement. Ensuite, il y a tout série de travaux. Nous parlons de tout série de pieds bois tombés. Activité fondamentale, c'est reboisement. Ensuite, associé avec bagaille ça, il faut comme si là, nous avons une activité qui parle de paysans yo, des capacités. Mais qui ça parle de capacité? C'est des bagailles qu'on peut planter patates. Petit mi trois chandelles, bah il y a bon dans deux mois, dans trois mois. Et d'ailleurs, vos maladies, petit mi, tout a plein de dida, et que j'ai perdu, de toute façon, petit mi. Oui, petit mi a perdu. Mais pour Congo, il y a des espoirs sur lui. Pour Congo, il va pas planter le cognier. Il a perdu. Vous savez, il va pas planter le cognier. Il va venir le cognier. Ou qu'à planter pois noir, pois rouge, etc., pois blanc. Et on va dans le bois Congo. Mais proposition, Joël, fait pour transformer le bois en énergie. Nous allons dans différentes zones. Le principal problème qui est les Haïtiens qui font charbon. Même si on a des gens qui font charbon. Donc, prenez pour faire une feuille pour mettre sur charbon. Avant même que pour créer une certaine humidité et pour faire charbon en bas, après ça pour mettre terre. Pas une grande feuille, pas une grande feuille en concrété. Vous mettez d'où pour transformer dans l'énergie électrique. Bon. Transformer charbon pied boyau en énergie électrique, ça demande de, une technologie. Donc technologie ça, c'est pas bagage que nous pral faire demain matin. Ça veut dire idée qui consiste Jean Lidien pour prendre un bouquet, tout mettre bois là-dedans, nous faire gaz sortir et puis pour faire le tourner énergie. Bon, ça bon pour un monde. Mais pour faire des réseaux. Mais pour construire réseau. Pour retourner sur énergie renouvelable. Il y a des côtés où fait d'expérience énergie renouvelable intéressant. Dalmatien te gagne par exemple un parc solaire, mais parc solaire ça a n'est responsable parc solaire là, deux jours avant tremblement de terre, monsieur rentre Port-au-Prince, il guide parc solaire alors que tremblement de terre ou bien non, cyclone cyclone. Il peut dire oui, mais on prend par exemple Cuba, Guantanamo ou bien Jamaïque, plein centrale solaire, plein centrale éolienne. En 20 cyclones, on vient de démonter toutes éoliennes et de démonter toutes centrales solaires. De démonter toutes poteaux électriques, toutes bâilles, n'est plus bâilles. De démonter, ce sont des choses qui n'est pas compliqué. Là, par exemple, le poteau que nous avons tombé, le câble fibre optique, nous avons construit, nous mettons en l'air, alors que nous avons en bas. Donc, le câble fibre optique, on prend là-dedans, cassé, et puis. Réseau télécommunication. Le café en bataille à toi à cause de tremblement de terre, dit que c'est un dilemme. Et même question pour Habitat. Ouais, après tremblement de terre, en pile, on a le bâti en tol, mais qu'on y a là, exact, on dit que, puis de débattre carré en mille, carré pas d'apprécier. Olapalais.com.